besoin de visa na banda ku besoin Kinshasa besoin à l'intérieur du pays besoin un peu partout dans le monde boyei bola mona pona Congo ya lelo tozo le bongo décryptage ya dossier Katumbi et la piste Mulonde est-ce que Katumbi étant simple citoyen idée wana te ya ko réhabiliter piste wana et puis grève il y a ba enseignant tu as vu que grève et ça moyen oyo ba toyi ko sala moyen ba ko zwa po ba revendiquer ba droit na bango mais est-ce que ezo mettre éducation à bana en danger te on en parle ce matin maître Yannick Mbote acteur politique Mbote madame Mbote na ko débatteur Mbote na ba congolais nyonso wa landa biso en fait bien de m'associer à cet échange. J'ai un petit biscuit. Oui. Rapidement. Oui. Qui a apporté soutien à moi, à Mboka Moko, coordonnateur et esprit de vie, monsieur Silva Lemba, mm-hmm. Victime, il y a un site, victime, il y a une personne mal intentionnée, il a véhiculé mensonge à propos de la gestion. Il s'avère que la gouvernance n'a pas de difficulté à ma case. Oui. Esprit de vie, il a créé un groupe pour répondre aux besoins de Moko. Beaucoup plus important, il y a quoi améliorer les conditions de transport à Kinshasa. Alors, il s'avère que depuis Azui, gestion, Azusa a moussala naé malamu, mais Batubazo, mais qu'un peu kota la, n'est pas déstabilisé. Comment les déstabiliser? Alors, il s'avère que Moutou a remplacé qui? Azaki, le débit à programme. Quand le programme Esprit de vie est bandit, il y a 649 bis. Quand on a accueilli, a tiki ba personnel, na 35 mois d'arriéré, na 50 bis opérationnels. Lui, il hérite d'une situation beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe. Alors, a bandit ko sal avec ba fonds propres, a longoli bango na ba immeuble, il est très insalubre na Kasavu, a yé na wileri. Il continue à faire, Azana Baïde, Yamalamu, déjà un projet à Salaki pour comment améliorer les conditions de vie à Bajan, à déposer qui na ministère à Titel, Bazotala Neinba au commissaire Esprit de vie et le mois programme et comme établissement public. Très bien. Et puis, au moment où je vous parle comme ça, dans le management, il y a un lot de bis. Ça fait un bon moment que le lot de bis est soutenu. Mais dans le management, l'État congolais a commandé un lot de bis important. Et comme déjà dans ma tête, il reste que des formalités administratives. Et puis, c'était si son initiative propre. À ce moment-là, l'IGF a contrôlé la gestion. L'IGF a très rigoureux. Il y a un inspecteur qui a très rigoureux. Il y a gestion. Mais il y a un lot de Aza clean sa gestion et saine. Alors, bande ko batika ko potamo na ndeko buzo ba kere o ya mauvaise foi bazwa mituka bazo kuka ko futa mbongo te. Ba twana baza ba jan l'état te ba futa makala mbongo programme. Ça dit ceux qui mutu ya verser $100 quand na $100 wande ba kozwa ba longola ta mo 10 20 fois futa ba jan. Conséquence logique ceux qui ba twana bazo futa te et les coordonnateurs est dans l'impossibilité aussi de payer. Mais il est en train de se battre pour résoudre ces problèmes-là. Donc, Batika. Très bien, Ndeko, grâce Belimbote. Merci beaucoup, Maman Miguel, bonjour. Maria. Maman Maria. Maman Maria, bonjour. Et Mbote n'a pas débattu en Angaï. Mbote n'a pas congoman, surtout Bazali. Et pas n'est pas parce que ton Ossétan il faut pas qu'il ne vous comme d'habitude. Tout petit bango, bonne journée, bonne chance. Et nous colons malam. Et puis tout le monde rapidement couper sa pembote. Et pas une bande de conabisho basali n'a pas bonaga n'a pas ça déplacer. Tous les longs mots qu'on a bango. Tout petit mbote n'a pas diaspora. Il y a surtout place basali marqué baso sibi. Oh bah comme on a mais nous sommes ensemble avec eux et nous sommes revenus pour parler. Et la République démocratique du Congo. Vous permettre un anabo qui s'amoua et l'eau comme au Moukie ou n'a sali remarque qui est en Mounazoya. Bon, je constate que Bazo Lobakeno carburant et quitte la station, mais Maman Maria prix à transport et zo quitte prix à transport et zaka n'engue zali. Ça ne bouge pas et d'autre part, aux hommes qui est dans la station Moussousou et Zaya Kokanga. Donc la station Moussousou Bazo te kalisousouté. Mais maintenant, tout n'a siko na gouvernement na biso. Nenge bazwaki mezi wana pona ko kitisa pli ya carburant. Est-ce qu'il n'y avait pas la consultation entre ba acteurs au ba côté ka ba carburant
et puis na bango gouvernement et des deux tant au bozo zoa ba mezi pour na ko kitisa oyo etali prix à carburant mais il faut bozo pe mezi ya marambo etali transport parce que ça ne bouge pas kanenge zali kanenge tozalilo mais ozo yo kabazo yemba partout que non prix ya nini prix à carburant et kiti et malheureusement aussi Nazoya na tongo wa je suis avec un moto parce qu'il y avait l'embouteillage et je devais seulement prendre la moto vu aussi battant et tout comme ça chauffeur wa nazoya bisangai que maman Maria qui est pris à carburant et zaka ndenge zali aye bisinga kutu que soko za pressé té toté le moto kota na station awa natali sayo au moins ndé na osomba kaka 3000 kandenge nini litage ya carburant ezalaki mais maintenant siko tozo tuna na ba station nini oyo ba kitisi carburant. Et puis, na, oh, na, no, ba, kiti, cité, il faut pas bisa biso, parce que ya, ça ne va pas. Très bien. Mais pour le transport, peut-être qu'avec le temps, et kokita, peut-être que ça automatique. Te. Ndeko, Yannick, qu'est-ce qui se passe na makambuya piste Moulonde? Bon, je vous avais dit ici que moi, j'aime ce débat de qualité. Oui. Je n'aime pas le débat des individus. Oui. Alors, ça, l'analyse a deux volets. Mm. Le premier volet, c'est le volet juridique. Mm. Le deuxième volet, c'est le volet politique. Oui. Dans le volet juridique, Toulobaka, les faits sont sacrés. Mm. Et voici les faits. Aérodrome, il y a Moulonde, avant les années 80, mm. ils avaient acquis un bien privé appartenant à un sujet belge. Mm. Et tant qu'on a Koufi, on ne sait pas par quelle magie. Collectivité à Moulonde, à Yokozoya, vers les années 80-82. Mm. Et depuis lors, il y a eu une certaine négligence, à tel point que, Bandé qu'on entretenir en haut du société, l'État mm. a pris la décision de fermer ça, toutes les activités, et qu'on va recevoir les sous atterrissage à l'aéronef. Ce que Tangi Namibé qu'on a vu sur loi foncière, article 56, mm. le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Très bien. Alors, Tango Bakangi Ango, c'est l'État qui avait pris une décision de fermer ça. Conformément à l'article NAPESIO, ça n'appartenait plus à la collectivité Moulonde. Mm. Et donc, par voie de conséquences, ce qui a initié des travaux, par exemple, et la réhabilitation à construire, il faut faire une procédure légale requise à la matière. Mm-hmm. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Parce que dans ces pays, il y a un aérodrome et belé où il y a privé, déjà, bongisa. Okay. Ça s'est fait, c'est autorisé, ouais. Mais il faut avoir l'autorisation de l'autorité d'aviation civile. Alors, du point de vue des droits, on constate également que Ndeko Moïse Katumbi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a bandaki ba travaux sans pour autant avoir autorisation et autorité à aviation civile. Ce que Tangi, article 183 et la loi 2023 relative à l'aviation civile, on comprend. Ce qui m'a signé autorisation, il y a des sanctions. Mm. Pénal et financier. On parle de 5 à 10 ans et puis une amende. Mais parce que c'est le droit, oui. Pour que l'infraction soit établie dans le chef et en moto, il y a trois éléments importants. L'élément matériel, l'élément légal et l'élément moral. Mmh. Alors, je vois dans les réseaux sociaux agitation comme quoi Bakoukanga Moïse, mais ces trois éléments sont cumulatifs. Ils ne sont pas alternatifs. Il faut nous suivre à la réunion. Mm. Ce que l'on dit, Ngambo Yabatoumoussouba Lobby, effectivement, ils n'ont pas menti. Moïse a construit un hôpital. Alors, tellement personne est inaccessible. Le temps Batouba Kende. Voilà pourquoi Abeka qui a réhabilité en haut. Là, je voulais aborder un aspect sur l'élément moral. L'intention de nuire. Na droite au baka animus nekandi. L'intention de nuire. Est-ce que Moïse n'a qu'au sala ou à l'inga qui a sala wana? Denga bandai qu'au sala. Alors qu'il a l'intention qu'au sala ma ben à l'état. Moi, je ne sais pas.
Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi il y a cette agitation seulement à l'aérodrome Moulonde. Oui. Parce que dans un passé très récent aussi, la même personne à Bongisaka, aérodrome il y a Kachoboué. Mm. Ça a été fait. Alors, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Parce que il faut vraiment être très prudent. Oui. Et surtout, moi, je suis praticien des droits. Oui. Je ne peux pas venir dire des choses que je ne maîtrise pas. Est-ce oui. qu'il y a d'autres informations qui se cachent derrière au bas service basé en ambition de l'hébité? Ça, je ne sais pas. Mais du point de vue des droits, on a perçu au fait dans le droit. Mm-hmm. Alors, ce qui est requin de la justice, tout ça, tout ça. Mais au-delà du fait que élément, à mon avis, à mon sens, élément moral, et que ça, la défaut, parce que pour infraction, on a établi un chef, naïe. Respecter. Donc, tout ce que moi je peux demander, par exemple, dans ma plus approche à Moïse, parce qu'ils ont brandi sur les réseaux sociaux une lettre de demande. Mais quand vous demandez, l'autorisation n'est pas automatique. Il faut attendre la réponse. Mm-hmm. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc, il ne faut pas comprendre qu'ils ont induit les chefs en erreur, leurs chefs en erreur. Mais si les plans politiques, je ne comprends pas. Et c'est ça que je regrette. On est en train d'instrumentaliser les gens inutilement. Ça va être des arguments sur beaucoup de choses, mais je vois les acteurs politiques, bah, ça mêle, bah, député, bah, maman, j'ai même vu ministre Moutamba, dans le Lubumbashi, bah, ne réveillons pas les anciens démons. Mais pour quelle finalité? Il faut arrêter d'instrumentaliser le peuple. C'est une histoire qui est très bien prise en charge par les lois congolaises. Oui. Je vous ai dit ici, pour moi, l'élément moral, les athées, ils ne peuvent pas être condamnés, sauf si, il serait la manœuvre pour installer la rébellion, ça, je n'ai pas les informations, je ne peux pas les confirmer, ni moi encore l'infirmer ici. Oui. Donc, je crois que Batika pour politiser, bah, très bien. Ne pas vouloir toujours opposer les Katangais aux autres tribus. Oh non, ne réveillons pas les démons du passé. Les démons du passé, c'est quoi? Quand vous entrez, ils font un message, bah, ça bat tout. Le problème est qu'il y a Katanga entre les Kassaïens et les Kassaïens. Et ce n'est pas bien. Très on bien. Doit arrêter l'intolérance politique. S'il y a des problèmes, ils ont fait mon juridique et judiciaire, laissez ou laissons les cours des tribunaux. Très bah, bien. Alors, très bien, Deko Yannick. Ne politisons pas tout. On revient vers vous. Deko, grâce, est-ce que Katumbi est un simple citoyen? Bon, merci beaucoup, Maman Maria. Je pense que Ndekoza en face, il a bien parlé parce qu'il a évoqué aussi des dispositions juridiques. Oui. C'est tout à fait normal. Mais le Kobiso, nous sommes surtout toujours déployés, Zakie. Vous savez, Moïse Katumbi, Ndenga Zalak, ce n'est pas aussi la première fois qu'il y a ça à la Babylo Kouana. Ceux qui tout tangent en haut, et Bélé. Moïse Katumbi à Salak. Mais aussi cette fois ici, question bichon surtout tous autres tuna. Oh, ils ont ça la bichon passe. Parce que n'ingé tout le monde déploiement militaire. Vous voyez maintenant là où il y a problème. Parce que si c'était question qui est non, bon, Katumbi a qui est loco sans qu'il y ait une autorisation à l'État, c'est normal, il faut l'État bien aller. Oui. Mais papa Moïse, pourquoi tu as construit ça? Mais si vous avez une inquiétude dans la population, que le déploiement militaire est salemi, pour que vous ayez des gens qui ont des gens qui ont est-ce que d'une part, question de la question, que Moïse, qui a justifié l'acte qui a été fait, continuer le travail, alors il faut pas déployer le militaire pour que stopper. Nous avons toujours bâti. Est-ce que dans l'information, il y a service? Entre guillemets, est-ce que il y a quelque chose de quoi loba? Parce que l'élément moral, ti lelo, tu es bien noté, peut-être bangonde bazana ba réservation ya ya ba infraction bango ba jui. Mais obiso to ko sengaike batika ba acha parce que ezoko maloko acharnement via Moïse Katumbi. Pourquoi tozo loba bongo? Parce que ce n'est pas la première fois. Moïse a construit des hôpitaux, Moïse a fait de beaucoup ba église, ba nini atonga kango sans problème. Mais pourquoi il s'est mis à ça les locaux et puis ça devient problème et puis déploiement militaire. Mais c'est la zone stratégique. Non mais madame, ce qui est la zone stratégique, l'État aussi il faut à disposition pour protéger. Pourquoi parce que quand on est comme en position, on a aussi le temps que nous avons problème, il y a des drones.
Tous en a ba calamité na mwezate. Tous en a mwebelite. Mais tant au moni que zala qui laissé délesté par l'État congolais, a joué qui autorisation. Si ko biso to moni pe lettre wana, ou ba tu y assemble, ba zo blandi ke ba senga ki autorisation, et pas le gouvernement congolais. Bon. D'une part aussi, tous en a ba réserve mingi parce que ma kambouza nan en cours. Tous os il a l'État congolais, a sala nan ou yoko yoko sala. Oyo bakoki ko bimisa lokwa resultat na bango. Maintenant nous allons maintenant revenir pour discuter quant à ça. Ba fait oyo bango ba remarquer et pas dans ndeko Moïse Katumbi. Ozomona maman Maria. Oui. C'est pourquoi tozo linga tete ko ta vraiment en profondeur ya dossier parce que dossier zala non ku. Mais loko biso to ko senga et comme récupération politique ité na bato bazali na majorité. Et comme te nzela na bango pour na kokota ko zwa ndeko Moïse Katumbi. Et comme, est-ce que nous ne sommes pas dans un pays où Moutopé soit qui a assalé loko, Bobengiye, na voie normale, il faut kakako, tinda, ou zomona lokwa, ba déploye makamango toza na guerre, ou zomona soye bazo kende kokanga moutou, yoko mona lokwa na makambo Patrick Luka, makambo wana ezope sa biso pas mingi. Nous demandons, est-ce que nous vivons dans notre pays ou comment? Les infractions, c'est réservé pour tout le monde. Mais lorsque il y a les infractions, ok, bon, moni ke eza siringai, botin de langa invitation comme citoyen, na ya ko répondre. Si s'agit que non, ba fait o beaucoup reprocher siringa, eza réellement, eza na droit. Maintenant, toko kende na justice, ke bo ya na bandenge o yo ko sale manan gouvernement o. Tozo senga na bango ke non, nous sommes dans notre pays. On a aussi droit de dire quelque chose, on a aussi droit, ya ko constater ke il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Et tout est coloba. Ce qui n'a lobby en haut, n'a bungisi mi beko, nanzelate, bobenganga, attaque citoyen, na ya, tout solo là, parce que l'État zali wana te pona kobangi sabiso. Et zo sa loko là aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, toko mi na kobang. Ce ko bimi o zongi lo kande tozo ya na ba plateau boye, ce ko komi nanda ko lali o la muki, o mone lo kote o sambeli nzam. Lobby n'a mou seke l'ekimo 3 jours, o mone lo kote o sambeli nzam. Bon, finalement, nous vivons où? Et komi ko sa la biso passe. Or que d'un côté il y a bino ba journaliste bino bozali 4e pouvoir et biso pe ba tozali à opposition toza pe na droit o pe ba pe si biso ba opposition il y a ko dénoncer si ça ne marche pas mais ils ont ça la biso pas si parce que tout comme ko banga maman Maria tout kanisa ke que monsieur Félix Tshisekedi dinenga ko ya a ko changer système il y a Kabila or régime na yeza déception donc synonyme il y a régime mais il y a monsieur Félix Tshisekedi. Ils allient déception à biso ba peuple congolais parce que obiso to bande ko zela yango te to kanisa ke ko suka ka repa na monsieur Kabila parce que Kabila bande ko même biso na ba pratique yo mais o ya monsieur Félix Tshisekedi donde to kenda tita ngo to koma na ba 2028 fin mandat na yi na biso yo ke e kozala terrible donc to kozala chez pas cité ko ya ko lobela makambo Congo. Très bien. Très bien Ndeko Grace. Ndeko Yannick, est-ce que problème est ça parce que zan Ndeko Katumbi? Ou bien, parce que avant, non, qui s'est soucié de ce projet, cette piste-là? Mon tout est. Bon. Il y a eu des choses parce qu'ils ont yé kaka, ou bien parce que peut-être à respecter la normalité. Bon, maman, je voulais d'abord vous faire cette petite remarque. Vous donnez plus de temps à mon collaborateur. Même pas du tout. Biscuits. Non, moi j'ai les chronos, je regarde. Même dans les biscuits, moi j'ai fait une minute, il était déjà dans les trois. Possible. Vous êtes trop clément et il faut tenir compte, il y a. Temps d'antenne, c'est important. Dans alors un, que dans ma montre, vous aviez plus de temps. Allez-y. Non, non. Moi, je regarde. Allez-y. Bon, c'est difficile quand même de répondre à mon condébateur parce qu'il est quand même très éparpillé dans les arguments. Tantôt, il aborde la question au Tounier. Tantôt, il va dans les libertés individuelles. Peut-être tantôt, il va 2028. Moi, je ne comprends pas comment c'est né, au fait, parce que c'est un peu compliqué. Donc, je voudrais que tout à la logique, il y a débat, la question journaliste. C'est en lobby, quand il y a liberté, ça va faire qu'il n'a pas réagi. Et on va s'écarter beaucoup plus dans le sujet du jour. Sujet. Oui. Alors, je reviens sur la question. Au lobby, pour Ezaka, bon, moi, je ne voudrais pas qu'on personnalise des débats. Oui. Parce que la guerre des individus a comme finalité l'emprisonnement, les assassinats, c'est pas bien pour la construction d'un État. Mauvaises habitudes aux oies, au moins la bateau, tu sais que moi je suis des dinosaures, mais vous ne me verrez jamais venir dire tu sais que, Kabila, non, moi je ne le fais pas.
je viens vendre les idées. Il y a que les idées, celles les idées alors et que vous construisez tout construire beaucoup la mission. Likambuya, je vous ai dit, il n'est pas le seul, en tout cas bah, comme on va retenir, il n'est pas le seul à construire ou encore pour améliorer, pour réhabiliter un aérodrome. Les aérodromes, déjà, nous avons des aérodromes privés dans beaucoup. Moi, j'étais conseiller au ministère du développement rural, j'ai fait l'intérieur du pays. Nous avons 26 provinces, j'étais pratiquement dans toutes les 26 provinces. Je connais les vrais problèmes. Il y a un privé, ça. Je vous ai dit, même Katumbi, puisque vous l'avez cité, ce n'est pas les seuls aérodromes à Bongisi. Par le passé, à ça là déjà. Et Tchapé Bamaké, l'été, est-ce que à Sengaka, autorisation, Bapesakaye, ou soit à Sara, autorisation, il y a un cas qui s'habite, il faut continuer, bon, ça je ne sais pas. Okay. Mais il y a une autre dimension. Moi, comme juriste, je parlais avec un ami, un haut cadre d'ensemble. En passant, j'ai sali mon frère, mon aîné, Mike Mukeba, c'est un de mes clients à la prison, Botebele. Place Azali Azolan a encouragé, un combattant de la liberté, je crois que votre place n'est pas là. Mike Mukeba et Obima, et nous allons continuer qui est Obima. J'ai changé avec un haut cadre. Oui, mais jusque-là, il n'y a pas encore une invitation de la justice à l'endroit de Moïse Katumbi. Il n'y a pas une instruction ouverte à sa charge. Pourquoi toutes ces agitations? Est-ce que vos agitations ne cachent-elles pas quelque chose derrière? Ça, je ne comprends pas. Mais en même temps, pourquoi le gouvernement congolais, l'amour qui m'accasse, regardez les deux parties. On a Koto Baza vraiment vendre debout, Koto Baza vendre debout. Est-ce qu'elle a besoin de quantité? C'est là, comme juriste, les juristes doivent être prudents. Je dis, il y a un problème. Parce que je comprendrais ceux qui, par exemple, Pessi, invitation à Moïse Katumbi, bon, ou soit, Pessi, ministre, Pessi, injonction, ne fisse qu'un registre d'information dans la justice. Mais n'a noté. Mais du coup, tu n'as même pas photo, même sur son déploiement militaire, place en gros, que ce soit parti Katumbi. Est-ce que vous avez ça, Congolais, Congolais, vérité? Côté gouvernement, ils n'ont pas communiqué, mais tout le monde a quand même. Qu'est-ce qui se passe dans l'aérodrome? Qu'est-ce qui se passe? Selon certaines indiscrétions, je n'aime pas aborder les ragots des réseaux sociaux, mais selon certaines indiscrétions, vous avez dit, mais vous avez formaté rébellion et les très proches. Les gens qui soutiennent Tshisekedi, direct, vont ne pas dire, il ne faut pas qu'on ait faut pas qu'on ait mais pas qu'on ait pas Salini. Non, parce qu'il a violé l'article 183, mais je venais de vous dire, une infraction prise à la consommer, les éléments doivent être réunis, et ces éléments sont cumulatifs, ils ne sont pas alternatifs. Donc, si l'un fait défaut, on ne condamne pas. Donc, du point de vue des droits, il y a quand même des limites. Mais politiquement, je dis, pourquoi, mais attendez, madame, Katumbi, parce qu'il s'agit de lui, il n'est pas comme vous et moi. Katumbi n'est pas comme mon frère. C'est quand même une personnalité. Vous pensez qu'on peut l'arrêter facilement? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Dis-nous pas les camps Katumbi, Talaba communiqué. Mais côté, parce que les services, très souvent, ils n'ont pas. Les services Bazara, ils ne parlent pas. Oui. Peut-être qu'ils ont des informations, je crois. À la lire où vont les choses, Togozo Alimien, Togoyeba, Nini, parce qu'il n'est pas le seul, il y a Kobongisa, Bapiste, il n'est pas le seul. J'étais au demande réel, je sais de quoi je parle. Il y a même des privés, Bazana, Bairodrome, Bango, privé. Parce que quand tu es à Mboka, Nengezam, Nene, Banzela, Ezate, et puis, ma condition, quand vous demandez l'autorisation. Et donc, moi, je dis, du point de vue des droits, Katumbi ferait mieux, il y a demander par exemple autorisation à Zéla pour ça, même à la longue, à Rosalango, il doit connaître la procédure. Mais ce qui se cache derrière l'agitation à Katumbi, ce qui se cache derrière le gouvernement, moi comme juriste, ça me laisse perplexe. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne serai à mes yeux de les dire parce qu'il n'a pas d'informations. Je suis quelqu'un de très sérieux. J'engage ma personnalité ici. Parce qu'invitation, ils étaient, mais Katumbi, il n'y a pas été. On instrumentalise même de pauvres mamans. Ne réveillons pas les démons du passé. Mais on doit arrêter avec ces discours. Très souvent, dans ce monde, même les communicateurs, ils sont blagués dans cette histoire-là. Il ne faut pas qu'on ait un mouton. Les tribus, vouloir opposer une tribu à une autre, ce n'est pas bien. On doit arrêter avec ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Très bien, Deko, Yannick.
Ndeko Grace, Ndeko Katumbi, lobby na Jeune Afrique, a lobby bazo lukela ye, a accorda ki interview na Jeune Afrique, a yi bazo lukela ye ba stili na moutou, ba lukela ba problème. Quelle est votre analyse? Bon, je pense que le président Moïse Katumbi, Ndenga lobby, a yi pourquoi il a dit ça? Vous imaginez? A yi makambo ya lobby. Pourquoi? Parce que, ozo monnaie ki, et là, comment on a été ouvert en charge à Katumbi? Vous comprenez? Jusqu'à là, tout le monde a un déploiement militaire. Il y a un déploiement militaire qui est en Bangisaki. Pour Bangisawana, à chacun bien que Katumbi soit un opposant. Oui. C'est ça aussi le problème. Il ne faut pas tout bosser en haut. Oui. Parce que Katumbi ne fait pas partie de la majorité. Katumbi a une opposition. Du coup, tant qu'on a un déploiement militaire, et ça l'est mis. Bah, bloquer du coup travail yo ko sala. Mais ko bloquer travail wana, il est comme on a été ouvert en charge à Moïse Katumbi. Si ko tant ya lobe ke bazo lukasili na mutu na ye. C'est-à-dire, ahibi, pourquoi il a dit ça? Il y a quelque chose qui se cache quelque part. Et on a tout n'est qu'un de est-ce que c'est parce que c'est yé Katumbi? Mais justement, on a la répondre. C'est yé parce que c'est un opposant. Voilà, on a répondre. On a dit que c'est Katumbi parce que c'est un opposant. Ce qui est là qui m'a dit, question aussi, il faut tout tourner. Est-ce que ce qui est là qui m'a dit, il y a pouvoir? Azo ça le loko wana. Acharnement, il y a qui est là. Très bien. Question, on a dit, il faut tout tourner. Parce que ce qui est là qui m'a dit, il y a pouvoir, il y a une idée. Mais le loko wana, il y a un non. Azo sala, azo réaliser vision chef de l'État. Balinga ki babé téléma boko. Même s'il ne demande pas l'autorisation, il va faire ça. Alors, question biso tozo tuna madame. Est-ce que la République est en temps pour la boue? Ou est-ce que bato moussous, il faut pas protéger? Et est-ce que bato moussous, il faut pas l'andabango avec acharnement? Est-ce que ces pratiques-là, ces systèmes-là, et qu'on a la stoppé quand? Question biso tozo tuna bango bato bazo gouverner. Parce que ceux à côté na bango mona madame nanga na elinga kesta la ta débatte to linga ka to mona mbamoko balati ba costume balati ba veste ba keko inaugurer et depuis à travail mais ça la qui publicité moko okoy ko ndimati mais aussi eloko biso to lo ba ke dine pas et ça le quoi l'absence à l'état parce que dès que o moni ndenge to za boy maman ngia l'état za censé ya kozala na information même ya lobby mais to za lelo. Vous voyez? Mais tant que Moïse Katumbi a bandi nan Moussala dès le début, pourquoi ba stoppa qui était? Ba tiki est amata. Tant que Komi Shuko wana bo, a wande to kozwaye très bien. Parce que ce qui est en début, c'est aussi calcul na bango. Parce qu'il s'agit de Moïse Katumbi. Il faut to tika ya kende, to kotali sa shuko population, ke non tala zo sala boye, et voilà nenge to komi lelo. Mais toujours c'est un régime à Félix Tshisekedi. Est-ce que acharnement wana, justice wana, donc pression, vitesse sur justice à cause alanango vis-à-vis y a bisoba opposition. Chico yo bato bali na pouvoir, donc ils sont censés y a cause alanango surtout au balingi parce que régime est ya bango. Moi je dirais non. Danger, bien menace pour na ndeko Tshisekedi. Vu que peut-être Azotonga a une réhabilité, peut-être ça a une façon à la qui s'en abat moni peut-être en 2028, peut-être ça Katumbi peut-être à la qui s'était une vision. Non maman Katumbi ce n'est pas la première fois maman Maria. Okay. Vous comprenez? Katumbi a construit des hôpitaux, Katumbi a construit beaucoup de choses. Et c'est la première fois naïda. Mais loko biso tozo bangande acharnement wana et koki kozala kakate na ngambo na biso bato opposition. Il faut ezala pe na ngambo na bango bato pouvoir. Yango wana ba mama wana ya katanga bazo ganga parce que Katumbi za lokola donc Moïse lokola tobe kombo ne pe Moïse. Aza lokola Moïse na bango bazo senga na ministre Costa Mutamba ke no botika biso mutu na biso. Mais bako sala ngote na manière lokola bazo influencer justice. Mais ils sont en train de demander parce que bazo mona makambongo ezo le kakaka côté na biso opposition. Ce qui est là qui peut que les gens ne peuvent pas avoir le pouvoir, tout le monde peut le dire. Oui, normalement, il y a un état de droit. Oui. Mais ce qui est le problème, c'est que l'état, il faut avoir un esprit d'anticipation. Il y a un makambo maman. Parce que la tête qui est makambo, surtout, il faut remarquer que il faut avoir un esprit d'anticipation. Bon, on a un makambo, il faut avoir un état, mais il faut avoir un état parce qu'ils sont tous services. Ils ont
na disposition na bango. Metango bango bazo sutuka. Ke makambo déjà c'est salemi et puis ozo mona ndenge bazoya. Et ça la passe. Déploiement militaire basali kuna na Katanga. To senga na bango bakendo sala ngona est. Et ça la quand même mieux. Matondi montuna soka ndeko Yannick lobby ndeko Katumbi alobi a ko continuer musala nai malgré ba ebi c'est arrêté a ko bi a ko continuer parce que ceux qui arrêté ils a ko zongi samboka sima. Est-ce que ça dangereté à défier l'état non je crois que il n'a ni les moyens politiques humains et autres pour okay. résister face à la machine de l'état déjà c'est un endroit que l'état sécurise il va faire comment. Alors ça c'est un politique il fait des déclarations politiques pour quand même essayer d'apaiser les esprits faibles. Tout le monde sait qu'il ne fera rien. Bon question Moutounier, est-ce qu'il est une menace pour le pouvoir de Tshisekedi? Je ne crois pas, parce que Katumbi était candidat. Oui. Il a compéti avec le président Tshisekedi. Oui. Bon, il était une menace pour Kabila, parce que Kabila l'avait exclu. Mm. Mais Katumbi Batikiye, vous avez vu, moi j'étais candidat. Et je l'ai dit, sans peur d'être contredit, il n'y a pas bureau de vote, Natambola qui, ce que Moni Katumbi a sali 12, 15 voix. Ce que tu sais qu'il est dans les 120, 200. Et car était tellement... bon, la politique est dynamique, ça peut évoluer en 2028, 2028. Maman, demain, le futur appartient à dire. Ce qui vous dit qu'au cours en 2028, déjà en 2023, il a été bâti à plate couture. Donc, il ne peut pas être une menace. C'est un opposant. Mmh. Il doit faire ses activités politiques comme opposant. Mais ce qui... il viole la loi, il faut qu'on lui rappelle à l'ordre. Oui. Donc, Kolobake, il va continuer, il n'a pas les moyens. C'est impossible, il va le faire comment? Il va le faire comment? Parce que, déjà, place on a lui-même, c'est plus accessible. Mais moi, je dis ceci. S'il n'y a pas quelque chose, on doit l'autoriser à poursuivre. Parce que ce pays, madame, je vous avais dit, qui n'a pas de développement rural et à construire. Oui. Ce n'est pas un pays à reconstruire. Ce pays n'a jamais été construit. Quand vous voyez ce qui se passe à Kinshasa, au Taliban, immeuble, mais Kende na l'Isala, Kende na Bayakoma, va chez moi à Mayombe, vous allez constater que beaucoup, ils ont vraiment beaucoup. Donc, bah, privé, bah, je vais côté Moussousou et par le passé. Mais tout porte à quoi qu'il y ait un problème derrière ça. Est-ce que ce sont des problèmes d'ordre sécuritaire. Mm-hmm. Ah, c'est sécuritaire. Là, le pouvoir public doit quand même éclairer l'opinion pour tout comprendre ni n'isoler. Mais voir les agitations, il y a des côtés, je crois qu'il y a un problème et déjà en plein 21e siècle, le problème est que Bumba m'a aussi longtemps été tué, barara, ni n'isoler. Mais il ne peut pas être une menace. De toute façon, pourquoi il doit être une menace? Parce que les élections, c'est en 2028. Oui. Il va faire ses activités, il va faire ses activités. Moi, je n'ai jamais. En fait, moi, je suis dans une logique de ne jamais négliger les acteurs politiques. Oui. Je ne néglige jamais les acteurs politiques. Moi-même, quand les gens critiquent les présidents, c'est que je dis, vous ne connaissez pas les réalités de la politique congolaise. Mm. Qui pouvait croire que Tshisekedi a comme président de la République? Moi, j'ai vu même quelqu'un, il est ministre, il a traité Tshisekedi de tous les noms. Mais qui pouvait croire que Joseph Kabila pouvait devenir président? Même mon frère qui est interface peut devenir président de la République. Même vous, premier, on ne sait jamais. Ces pays, sur Taliango, la plupart, comme un président, c'est par voie de surprise. Mm. Et l'immunité précède la voie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Moïse Katumbi. S'il n'a rien fait, Batikaya, on ne sait pas. En fait, bah, pour moi, la seule faute qu'il a commise, c'est de ne pas solliciter l'autorisation. En fait, de ne pas entendre l'autorisation parce qu'il a sollicité, phase et la réponse. Si on a dit tant, Banda qui va activer les travaux, on a bandit déjà les travaux, et puis il y a un mois après, et qui déjà bien été. Okay. Et on a mon nid et mes guides pour frustrer, mais tout moi, je respecte tout le monde. Je crois qu'il a droit, il a besoin de l'ambocanaïe, parce que même si on va vivre à Kéna exil, je ne crois pas, je ne crois pas pour ces dossiers. Ce qui est vraiment Kéna exil, c'est qu'il y a des problèmes sérieux. C'est ça. D'accord, grâce à mon tour, Nasuka, Katumbi a le bien à continuer, Kotonga, malgré instruire, arrêter les travaux, mais bien continuer. Est-ce que Azo se mettre en danger? Ou bien est-ce que Telemeli, Mibé Kote? De se mettre en danger, c'est très grave. Pourquoi à cause se mettre en danger? Moi, je pense que, bon, lui-même, il sait. Oui.
Peut-être il est en train de vous parler parce que justice est un bon gars, un bon maman Maria. Peut-être peu bako ko sala bongo mais en même temps ils sont en train de pour parler. Ce qui a lobby bongo c'est-à-dire aibe que non baza peut-être na pour parler et afin bako autoriser à continuer. Mais ce qui est zaka kana manière logique. Bon, peut-être il peut dire ça parce que aza un acteur politique. Bon, ko sala yango ezala passe dans sous régime. Vous savez ce régime ici baza violent. Lobby tozala ki na balabala, permets-moi de dire ça. Lobby tozala na marche pour na ko réclamer libération à opposant. Il y a Jean-Marc Kabunde, Kabunde, il y a Mike Mukibai, Seti Kikuni, et Daniel Safoutou consomme la société civile. Mais la brutalité par laquelle la police était venue, hier, madame, je t'ai dit, tu ne peux pas imaginer. Comme nous sommes dans un état de droit. Et puis, tu vas commettre la Kibango, tu vas informer, tu vas faire une loi, tu vas commettre la Kibango, acquiser des réceptions, tu vas récipiter la Kibango, et aller. Mais comment... Donc, je t'ai dit hier, vous ne pouvez pas imaginer. On arrête des gens. Le quoi, ceux qui battent, ils ont ça, ceux qui n'ont pas. Mais si quand tu as posé des questions, tu n'es pas dans Bino, on a demandé l'autorisation et la marche. Tu as dit Bino, tu as lobby constitution. Tu as commis le Bino. C'est à vous maintenant de prendre des dispositions, de sécuriser les manifestants. Oui. Mais régime, il y a une intolérance, mon corps. Maman Maria, vous ne pouvez pas imaginer. On a arrêté des gens hier d'une manière brutale. Et puis, bazoya lokola batobakei, même les kuluna baya katang mususu zo kutana ina ibisa kio l'autre fois ici. Lobby nenge baye ceux qui donc oyazaka na téléphone. Objectif ina bangonde mutuana il faut bazo. Bobando tambola na bango ils sont là bazo ça semble. Bobandi lokwa awa. Potoko makaka na entrée ya nini awa maman. Bazo ta la ba na ba téléphone. Mais dès que Kaka dit Pinabango et Koya, donc vous êtes les premiers à arrêter seulement les gens qui détiennent des téléphones. Bon, finalement, Toshiko a toujours posé la question. Anna, que Bissona, président Félix Tshisekedi, on avait déployé ce système. Il y a un peu de temps, il y a un peu de interview, il y a un peu de temps, lorsque il y a un peu de déboulonnage, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, parce que ça a un problème. Entre Bango na FCC à l'époque. Na landi écoute yé moko le président Félix Tshisekedi azolo Bango que déboulonnage on a na bandé koloba système Kabila. Donc système wana yé moko bandé ko tanga ngo ba vidéo ezali, alobi bato bazo komela bino ke bazo tambola marche ou ezali pacifiquement. Mais tozo mona brutalité la police ezoya. Bato bazo kanga Bango, bazo ya sans que batinde la moto invitation ba yé bazo kanga bato. C'est par là qu'il y a l'obaki que ce système là il faut déboulonner ça. Très bien. Il y a mon le président Félix et l'obaki mais au tozo c'est un régime naï. Pourquoi même effet ça répète toujours. Très bien. Madame, juste une petite réaction. Mon ami Azam t'as parti à Kabound. Ah OK, à président Kabound. C'est aussi ça le problème tout en ango ce concerne les libertés des manifestations. La Constitution vous donne les principes. Nous n'avons pas assez de lois qui encadrent comment, dans la pratique, ça va se faire. Mais il y a une jurisprudence au Congo. Une fois, vous écrivez à l'autorité compétente, avant que vous organisez marche, l'autorité vous reçoit. Il vous reçoit, vous échangez, vous donnez les itinéraires, Boyokani, et puis il prend acte. Si l'autorité ne prend pas acte, la marche n'est pas autorisée. Et ça s'est fait dans plusieurs pays. Parce que l'autorité veille, en fait, marche Nabino est troublée, ordre public. Bon marché, moi j'ai vu, comment il s'appelle, Martin Fayoulou. Je crois que Martin Fayoulou a beaucoup plus de monde que Bango. Colombo aéroport, c'est encadré à Bango. J'ai vu ma marche belée. Il ne faut pas prendre des faits isolés. Mais est-ce que vous avez eu des réunions avec l'hôtel de ville? Je ne crois pas. Plus le Bazala qui est encadré. Non, mais pourquoi vous dites ça? On a eu des réunions. Est-ce que vous avez l'information de ce que vous dites? Je pose la question. Bon, est-ce que pourquoi? Mais peut-être que vous êtes déconnecté. Il ne faut pas dire ça. Vous êtes un juriste. Vous savez aussi les conditions par lesquelles. Je peux ou ne pas avoir l'information. Mais ceux qui, par exemple, marchent, ils ont encadré et que par la suite, vous portez plainte contre la police.
Très bien. Ce sont des faits, mais il ne suffit pas de dire seulement que dictature, dictature. En même temps, mon ami est trop jeune. Vous savez, la télé, c'est un couteau à double tranchant. Quand il dit que toi, tu voyais la police, c'est l'outrage à la police. Il faut faire très, très. Donc, il faut avoir des preuves. Par exemple, ce qui va à Bengio, on l'accepte sous photo, quand vous passez dans la TV, parce que la police est tout un corps. C'est vraiment tout un corps. On peut peut-être, ce que je ne souhaite pas, vous interprétez ce que je ne souhaite pas. Il faut toujours avoir des preuves. Peut-être qu'il y a une information au Kangi, au Kangi photo. Ça va vous permettre, même si on a parti, pour porter plainte contre ces policiers-là. Ça, c'est inacceptable. Dans un état de droit, on peut accepter un policier. Aïba, à Botola. Mais si vous avez besoin d'une photo, vous pouvez porter plainte contre ces policiers. J'ai vu, par exemple, les policiers, oui, Salama qui n'a siège, il y a Martin Fayou. Ils ont porté plainte, la personne a été arrêtée. Quelle a été la suite? Non, mais peut-être que vous n'avez pas l'information. Mon confrère Clément Mouzaplet, je crois, d'ici là, ils vont conquis pour que la décision est bima. Ils sont dans la justice. Bien. Très bien. Alors, deuxième thématique, Doromo Kenasuka, grève, il y a un enseignant, Ndeko. Yannick, enseignants, ont grévé à travers plusieurs provinces. C'est bien de gréver parce que ont réclamé aux droits na bango. Mais est-ce que Baotia Bongote éducation est en danger? Bon, c'est quand même un peu compliqué à quoi aborder les camarades enseignants. C'est beaucoup plus compliqué parce que sur toutes les revendications principales, les alliés, il faut pas qu'on ait un salaire $500 minimum, $500. Bon, est-ce que l'État Nabisso au jour d'aujourd'hui est capable de remplir sa bangombongoine? Je crois que l'enseignant aujourd'hui est entre 400 et 420 000 francs, les informations que j'ai. Mais en même temps, c'est aussi l'avenir de nos enfants. Oui. Vous savez, ce que l'Ingo détruit, peut commencer par détruire le système éducatif. Ça va faire maintenant un mois. Et est-ce que nous ne risquons pas de décréter année blanche? Donc, je crois que le gouvernement, il faut à intensifier, le gouvernement doit aller vers les enseignants. C'est bon, on va réclamer droit là-bas. Mais attendez, ça va qu'aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure de le faire pour telle autre raison. Madame, ce qui n'a pas eu l'enveloppe salariale, l'enveloppe que le gouvernement débourse à la fin de chaque mois pour payer les fonctionnaires de l'État, c'est énorme. Déjà, ils sont combien? Les policiers, les militaires, c'est entre 600 et 650 000. Les enseignants, n'en parlons pas, c'est entre 800 000. Prenez maintenant les autres fonctionnaires. C'est plus de 3 millions de fonctionnaires de l'État. Et quand il faut les payer, l'État évite aussi, c'est un père, il évite de frustrer les autres. Ceux qui ont enseignants, on va payer sur $500 et que les policiers à 100, vous voyez ce que ça peut donner. Oui. Rien n'est dit qu'un policier, un enseignant, ça, ça, ma casse, qu'on les casse, soldats, on a un front, qu'on les casse, médecin. N'oublie pas que médecin peut avoir la pression. Oui. Donc, enseignant, moi je comprends les appels. Non, professeur université. C'est difficile, c'est vraiment difficile la situation où on traverse. Mais je comprends un peu qu'on comprend les mots. Déjà avec la gratuité de l'enseignement, l'État débourse un peu plus de $2 milliards. $2 milliards par an pour la gratuité. Sur mon gratuité, les lieux, Evan Diboué, moi, Bani Nezali, c'est $2 milliards. Enseignant, il ne faut pas comprendre. C'est que ça s'en prend en compte. Motivation na bango, prime na bango, fonctionnement à l'école, c'est quand même énorme. Mais les salaires ont un caractère alimentaire. Oui. On peut poser la question. Mais imaginons, madame, imaginons un seul instant. Ce qui va militaire, va grévé, imaginons un seul instant. Vous pensez vraiment que les enseignants sont beaucoup plus mieux que les militaires? Ou mutatis, mutandis? Mais pourquoi les militaires? Parce qu'ils garatent. C'est parce qu'il mesure aussi l'ampleur des médecins, bah, aussi, on se comprend. Hein, les médecins, c'est vrai qu'on comprend, mais imaginez un jour, les policiers vont gréver avec la criminalité urbaine. Maman, mais pourquoi? Les informations que j'ai, un enseignant touche déjà beaucoup plus mieux qu'un policier au jour d'aujourd'hui. Okay. Touche déjà beaucoup plus. Un policier, j'ai mon client qui est colonel, je ne donne pas son salaire ici, comparativement à Nini Polisina, j'appelle ici le patriotisme. Mais en même temps, gouvernement a ça l'effort. J'ai toujours plaidé, vous savez, j'écris un nouveau sur la problématique de l'extraversion de la Constitution, où je propose la suppression de certaines institutions budgétivaires. Où ils ont un impact, ils ont vécu
quotidien à Bakongole. Bon, on a orienté en gros vers le secteur de développement, reporter des richesses, tout ça, tout ça. Mais je demande, train de vie à l'institution. Et donc, ça fait enseignant, monter ma passe, à l'eau, député à Zana. Déjà aujourd'hui, j'ai été deux fois de suite assistant parlementaire. Je connais ce que gagne un député, officiellement et les à côté, les invisibles. Je connais, je ne peux pas les dire ici. Oui. Mais. Ayons quand même pitié de cette population. Donc ceux qui m'ont dit enseignants, ils ont résisté parce qu'ils ont là. Bon, ministre, ils ont combien? Oui. Députés, ils ont combien? Non, ils ont combien? Pourquoi ils ont fait ça? Vous avez pleinement raison de gréver. Parce qu'il va de vos vies. Mais bon, tu as la paix, bana, ou bako remplacer, bisou. Pour bino, beaucoup ma enseigna, batangi sa rabino pe. Bon, tu as moi, patriotisme, mouke, total, je sais que c'est impossible au jour d'aujourd'hui. Le gouvernement paye ça nous $500, c'est impossible. Je mets ma main à couper, on n'a pas ces moyens-là. Et, moi, dose, il y a patriotisme, mouke, gouvernement, à ta l'année, il n'a aucun qui va accéder, bon, 100 000, 100 bêtises, c'est insuffisant. S'il faut même aller à 200 000, pourquoi pas besoin de le crèche, il faut le faire et ça va faire en sorte que grève katana, tout l'ingaté, tout frustré, tout résoudre le problème. Parce que risque les années, et c'est ce que le gouvernement évite, je vais chuter par là, tout résoudre le problème, il y a un enseignant, ce sont les militaires qui reprennent la main, qui reprennent la main pour bisopé. Et si ça tient les militaires, vous connaissez les conséquences, c'est pas bien. Très bien, maître Yannick. Ndeko, grâce, grève, c'est bien parce qu'on revendique son droit. Est-ce que l'enseignant va se mettre en danger de l'éducation et de l'élève? Évidemment. L'élève, il écoute vraiment, c'est pas même qu'on décrier dans les réseaux sociaux, qu'il va tout le temps rater, etc. Évidemment. Oui, lobby Nazala qui n'a canal plein, tant que tout ici, manifestation à Bishoba 18h, on a aussi en train d'analyser cette question. J'ai beaucoup dit que, bon, maman Maria, Bishona et Bishona sont tout autant là. Ceux qui sont à la bandaku, panabana ou bien ba petit frère banane, pesa no bana devoir. Moi, je vais devoir bisona yo to bandaku ça. Zoango lelo, pesa moi na kesa il a yo devoir. Vous allez imaginer que moi na zo ça là autrement. Si ko biso tozo tout na ke bon. Si ko ceux qui payent zo ki ndé bon. Parce qu'il y a un danger qui dit pour détruire toute une nation, vous devez commencer par l'éducation. Oui. Ce qui a détruit l'éducation, donc c'est fini. Mais c'est ça ce qui est toujours qui dit. Le problème est que il ne faut pas toujours avoir une décision et un populisme. Vous comprenez? Tout ça, c'est une statistique. Dans le monde, je voulais, pourquoi va gouverner? Et puis, tout ça, c'est une décision. Tout calculer que dans 5 ans, dans 3 ans, ni ne couille comme. C'est très important. Mais il semblerait que na mboka na biso awa na Congo ba dirigeant na biso ba zwa kaka ba décision moko il faut sepeli sabato pour na ba plaire il y a peut-être ba électorat na bango pour na kota la gouvernance na bango na miso batu que non ils sont en train de bien gouverner. Oh, les conséquences, c'est très dangereux pour la nation. Eh maman Marie, je pense que au moni ba enseignant ndenge bazawana Dengue Tozala qui, on a besoin de la gratuité parce que c'est constitutionnel. Tozo boyate, tozo boyaya ngote que non, il ne faut pas gratuité Zala. Non, il faut gratuité Eya. Mais par quel mécanisme? La procédure nini et puis il arrangement nini pour que et causer des dégâts, tozo monate lelo. Ba enseignant ba mesana déjà même na bambongo ba bandé ko zoane po ke Kabila ce que Zaki ata ba 50 mi tout consort ba bandé o mesana ba po ba ebike mbon na ba mbusu se za na poche ya bana ezape pa na ba parents tant o ba parents ba zo futa ye pe ke boye mbon zo kota et tout ça ba bandé ko vivre. Mais maintenant lorsque gratuité est arrivée ba kati loko wana nyo surtout bo sikota ngo bo kati vous devez d'abord étudier. Ndenge to kati gratuité boy, c'est bien bon. Mais chiko yo, est-ce que to kuki ko bakisa moi loko pour na vie à bato, voilà. Pour na vie à bato anati. Parce que bango ndenge bazalaki, ozomona ke école yango moko ta monsieur se zo futa bango bambongo mo bo mike mike. Ba primi na bango tango babande ko futa o biso to bando futa ba classe tango biso to tanga. Ozomona ke ba prime banda ki ko ya. Attendez que base là non mambongo na bango l'état a réservé qui pour na bango ba promo ya ba école
ani ba opesa bango mwa bambongo moko boy ya ba prime mais nazo ye bisayo siko ke tango makambo na paye bo bango na ba ko l'école ba komi ko zela l'état maintenant ça devient maintenant grave et siko éducation des ans a problème très grave très grave. Le président Félix Tshisekedi dit pona kozwa gratuité de l'enseignement a zwa ki ango kaka pona esalaye mais pona avancement ya biso ba kongoleti. Parce que maintenant ils osa la très dangereux to senga na bango bazwa mesure rapidement parce que éducation esa ya kokufa. Et puis na ba condition aussi nos enfants, nos frères et sœurs, nos camarades ils sont en train d'étudier. Maman Maria, vous ne pouvez pas imaginer. Vous dégritez la gratuité de l'enseignement, en même temps, vous avez une qualité, vous avez une bâte. Mais vous avez une ceux qui l'ont, vous avez une saban. Année haute, vous avez une 1000 élèves, vous avez une zoya, vous avez une 2000 élèves. Parce que chaque année, il y a l'augmentation des élèves. Moi, en tant qu'année haute, en zoya, il faut à côté de la classe, attendre. Alors, nous aimerons à ce que gouvernement, na système, oh, Félix Tshisekedi, na batunaye, bazo sa makambo, tozo senga na bango, bazo mezi pri rapidement. Parce que wana bazo détruit l'avenir. Très bien. Et kozala mabe po na biso lobby. Très bien. C'est très dangereux. Ndeko, Yannick, je pense que Moutouna Souka, est-ce que gratuité et enseignement, ils ont instauré sans prévision? Est-ce que ça a qui décision populiste ou bien de Yannick? Bon, déjà, c'est constitutionnel. Okay. Moi, je suis cherché un droit constitutionnel. Un État qui se veut réellement un État démocratique, un État de droit, doit commencer par respecter la Constitution. Très bien. On a fait plus de 18 ans, on n'a pas respecté cette disposition. Mm-hmm. Alors, comme dans tous les pays, ça, c'est une réforme majeure hein, du quinquennat du président Tshisekedi. Toute réforme fait toujours mal. J'ai suivi mon ami à l'Obiawa. Moi, je suis venu pour soutenir l'enseignant. Oui, là, il n'a vu qu'un seul aspect. L'aspect des enseignants. Mais quid maintenant des enfants au papa Zahir Nambongote? Toi, peut-être ton père avait beaucoup d'argent. Alors, fouta. Moi, Maria, tout le monde, mais bana au papa Zahir Nambongote. Toi, tu ne peux pas penser à ces gens-là. Et c'est comme ça que l'État ne voit pas les individus, l'État ne voit pas un des toits, le grand nombre, le plus grand nombre. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait un le monsieur qui venait chasser. Pour moi, les insolvables. Et c'était et ça, puis, ça faisait très mal. Hein. Oui. Moi, ma mère n'est qu'une simple agent à Onatra, mais faisait tout pour Batouba Benganabi sauter. Mais je voyais Batouba, et ça faisait très mal, ça faisait très mal. Mais maintenant qu'on a résolu ce problème-là, c'est vrai. Il pose un autre problème, nombre de Bakisami. C'est bien bon, sans des réformes. Peut-être au Bosané Koloba, il y a quand même l'école au Lilo, grâce à Général Kassongo Kabouik, Service national, ça va bas. Et ça va continuer. Toute réforme, c'est comme ça. Même vous, les jours où vous serez au pouvoir, ne pensez pas que vous allez régler toutes les choses par un bâton magique. Déjà, votre chef était au pouvoir, vous avez vu les limites aussi de son intelligence. Parce que les 5 ans là, il faut que le bagage, il a contribué beaucoup en termes de proposition, de mandataire, lui-même, c'est ce qu'il avait fait. Donc, gérer, ce n'est pas facile. Mais il faut savoir privilégier les grands nombres. Tant que le Sénat a quelque chose, c'est vrai. Mais l'État aussi n'a pas abandonné les enseignants. À l'époque, tant que le Sénat a quelque chose, c'était dans les 130 000, 140 000, 150 000. Aujourd'hui, certains sont dans les 400 000. C'est vrai. Avec dollars, n'engue matiboué, bazou, mais quand tu fais ça, moi je comprends. Mais il faut aussi voir l'intérêt. Ici encore, c'est mieux. Mais allez au village. Allez dans arrière-pays, au moins, comment les enfants étudient. Il faut plaider que l'État tonga. Mais le fait déjà que moi, Nambo, l'État a gagné quelque chose. Et c'est très important dans la construction et en Mboka Nabiso, parce que ce sont des gens. Autant bisous de l'eau pour remplacer Tshisekedi, autant remplacer Maman Maria, autant, et c'est comme ça, il y aura des journalistes, des avocats, des magistrats, des présidents de la République, ainsi va la vie. Donc, dire que ce n'était pas préparé, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont même pas cru. Souvenez-vous, vers la fin du régime Kabila, on a osé gratuité. Balobi, bon,
Tozoara, ma grande ville. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, l'État fait des efforts énormes. 2 milliards, c'est pas rien, madame. 2 milliards de dollars. Vous savez, il y a tellement habitué à monter, à chiffrer, à casser. 2 milliards de dollars, madame, c'est pas rien. Et ils ont ça là, mais l'État est conscient. Avec le programme, il y a 145 territoires, construction des écoles. Et certaines écoles, ils ont tout en. Moi, j'étais par exemple au Congo central, j'ai vu. Mais, je devais ici condamner quelque chose. Je chute là. Très bien, rapidement, maître. Je chute là. J'ai vu, l'élève, ma ville natale, m'a dit, ils ont marché, il y a un policier voyou, au bête de balle à Massas. Et j'étais dans tous mes états. J'ai appelé les proches du gouverneur, et sur instruction du gouverneur, les policiers ont été arrêtés à Losamba. Et je dénonce aussi l'instrumentalisation des élèves. J'ai vu. Des mineurs qui ne connaissent rien, donc ça dit si bango maloba baloba, on doit arrêter. Et je demande à l'autorité, s'il y a quelqu'un qui, un préfet, qui instrumentalise l'élève, il doit être arrêté. Les élèves ne font pas la politique et ne peuvent pas faire la politique. Bah, ils attendent encore à 18 ans, ils vont faire la politique. Ndeko grâce maloba souka, est-ce que est-ce que gratuité de l'enseignement est là qui instauré sans prévision? Madame, apparemment, bon, tu es bien que tu commis dans souka. Apparemment, le quoi, qu'on débattait à Ibiza qui au Macamboti, qui les minutes belo bangi au Comoti. Non, allez-y. Vous avez plus de temps. Oui, j'ai vu ça. Vous allez regarder l'émission. Tu as plus de temps. Allez-y. Lobby, pardon, la question ça a été. L'état de si gratuité de l'enseignement est acquis instauré sans prévision. Non, mais j'ai dit ça sans prévision, madame. Ceux qui allaient qui bon mais tout le monde là-bas, les dégâts ils ont coyaté. Vous voyez, l'État a les mesures d'anticipation. Il ne faut pas que vous ayez une décision. Vous avez un intérêt, un électorat, pour que vous ayez une décision. Vous avez une décision, mais il faut savoir les conséquences. Nous avons un débat, il ne faut pas tout faire en anglais, parce que vous avez un peu de temps à quitter. Mais mon frère, si nous voudrons maintenant prendre tous les élèves, ou bientôt nous battons surtout, dans la condition où nous avons un temps, est-ce que vous avez un peu ou bien soit aux autres qui ont à venir, bébé. Parce que là où il y a un problème. Na place qui ont à ta batang à base à la ta 8, ou batangi batombo lambouk, qui avec 8 ouana, ils vont défendre notre pays. Mais na place qui ont tout le monde allait à l'école, tout comme à 10 000 personnes, on nous fait sortir des diplômes, et maintenant pour défendre les diplômes, ça cause un problème. Aux autres, on a été qui ont beaucoup à Zobéba. À la longue, à venir sur quoi il y a Congo et aux Alani. Parce que je vous dis, maman Maria, il y a un problème. Il n'y a pas aucune de classe. Éducation isati. Non, c'est faux. Non, mais mon frère. Il ne faut pas dire ça. Non, mais je te dis. Il ne faut pas dire ça. Je te dis, vas-y interroger. Non, c'est faux. Pas, vas-y interroger. Il ne faut pas dire ça. Je te dis. Il faut dire, il y a certains élèves. Non, il n'y a pas certains, mon frère. Non, tu vous savez, l'intelligence, je vais te dire une chose. Ce que vous dites dans le domaine, vous êtes un intellectuel. Vous imaginez? L'intelligence, tout ça n'a pas catégorie intelligence. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont nées intelligemment. Oh. Non, je te dis. Sans même ceux qui sont locaux, ils ont un bateau, Michoussou. Non, laisse-moi évoluer. Laisse-moi d'abord. Non, attends. Non, non, moi, on a coquille pour qu'il y ait des classes. Mais quelles sont les qualités d'éducation au bazo Pessaban? On a besoin de. Cher ami, est-ce que tu peux me laisser? S'il faut être sérieux. Est-ce que tu peux me laisser de continuer? Dans le Congo, l'éducation est dans la Nini. Et est-ce que tu peux me laisser de continuer? Malgré le mauvais état. Yannick, vous avez parlé, vous voulez consommer tout, mon frère. Allez-y, il faut voir la qualité de l'éducation. Ils ont été basés sur la décision. Maman, au moment où je suis gratuité, tous les enfants, on a posé un bisou. Mais le coup, on a eu la qualité. Il y a un dingue qui est en train. Non, copesa matéya qualité toujours le bas tangi sandenge basenya baso tangi ça. Oui, bien que le col basenya bah iba qui commande en gratuité. Asenya koya nango le col biso to bando tanga tanga musu bozo zo 9 leçons par jour. Ako ya pe bope si na 3D. Hier j'étais avec. Peut-être vous n'êtes pas enseignant. Hier j'étais avec un enseignant sur le plateau. Il a décrié, il a dit. Non,
Tozo senga même na gouvernement. Je vais te donner. Azolo bakeno, tozo senga même na gouvernement. Ah, il y a vraiment une intervention dans le domaine de l'enseignement. Ça, c'est un enseignant qui dit ça. Hier, dans un an. Madame. Vous madame. Imaginez juste. Alors, tu as un que non, je n'ai pas encore cité. Je n'ai pas encore cité, Yannick. C'est comme ça, tolérant. Dernièrement, parce que chrono est saisi déjà. Problème est à bout. Tu as un anabango. Bazo position rapidement. Ok. Parce que sinon. Madame, première précision, il ne peut pas dire que ça c'est faux. Et un responsable ne peut pas dire ça. Deuxième chose, papa, bon, peut-être que vous êtes beaucoup plus jeune que nous autres. Au début, tant enseignement, malgré étant enseignement, ça n'a pas expliqué que ma mère. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui, Yannick. Tu le mesures comment? Mais c'est, vous n'êtes pas parent. Non, attendez. Vous avez des enfants à la maison, Yannick. Moi, mon fils, il est très. Il fait des 95. Mais peut-être il te dit pas la gratuité. S'il vous plaît. Oui, ton enfant, est-ce qu'il est réellement. Maria, moi aussi, je pose une question. Yannick, est-ce que ton enfant. Vous n'êtes pas journaliste, vous ne pouvez pas me poser des questions. Vous imaginez. Maman Maria, tu n'as rien à nous parler. Moi, on est à l'école. Je chute. 10 secondes, vous chutez, puis dans ce dernier mot, oui. La gratuité, c'est une bonne chose. Oui. Mais ayez un problème qu'il faut résoudre. Et l'État doit travailler pour les résoudre. Même dans le pouvoir, ne pensez pas qu'il y a. Même en France, il y a toujours des problèmes. Et l'État relève en Wana Aluka. Comment qu'on résout? Mais quand on va dire que ça, c'est faux et archi faux. Nous-mêmes, nous devons dire. Peut-être je ne connais pas vos vies, mais il y a des conditions. Il y a bien Malunga. Non, ça fait des conditions bien malheureuses, mais nous sommes en train de faire des preuves. Partout où nous passons, dans des cabinets ministériels, on dit que ces garçons-là sont intelligents, toi peut-être dans le domaine où on est intelligent. C'est-à-dire qu'il y a bana o, bana la capacité à retenir, même toi, bazar est belé. Toujours plaider pas ton à l'école, pas ton à la salle de classe, bana, mais bazar est belé, place bazar 50, enseignant autant que ça. Bana nion sortait par recompagner de la manière moko. Mais il y a des élèves intelligents. Non, mais c'est ça, c'est que je dis. 30 secondes. Oui, oui. Yango anana outi kolobat. Na lobby que non, n'est-ce que tu bota marabouye. Il y a des intelligences au botami nango. Tout en bas classe tu es bas. Aux hommes là que pourquoi les premiers bazalaka. Mais bah autant ils s'habillent non dingue moko. Mais aux autres que oh ça va distinction oh ça na maël parce que l'intelligence est à la dingue mon côté. Il y a toujours les enfants bazalaka est fort. Il y a couillé bas. Même ceux qui aient habité aux hommes là qui aiment les lettres. Mais ils en a bas na monsieur soit ils s'en foutent quand ils sortent comme ça c'est fini. Même ceux qui n'ont pas, ceux qui ont parents, ceux qui ont été, il faut attendre. Avec le monde aujourd'hui, bah, téléphone, TV, et c'est fini. Ils s'en foutent. Et question, il y a tout qui a répondu. Peut-être que les gens qui ont été en école sont privés. Parce que les lots, pour que ceux qui ont été bien, ils ont été gratuits, et ils ont été privés. Vous allez voir maintenant l'éducation. Donc, très bien, parce que là-bas, on paye l'enseignant. Et puis, kuna ozo fouta mbongo na yo. Lorsque tu es constante à la maison, que non, mon enfant, ça ne va pas, il y a un problème. C'est-à-dire, mais Yannick, je t'appelle, mais finalement, mon frère. Non, mais mon école catholique, à la Gombe, au Banabatango Fele, vous ne pouvez pas dire que. Non, mais c'est ça que je t'ai dit. École catholique, c'est rien. Maître Yannick, s'il vous plaît, est-ce que tu peux. Tokomi Nasuka émission. Tokomi Nasuka émission, et Tokuta ni bongo. La semaine prochaine, l'homme va côté de Wanandeko, Naomi Pila. Et bon après-midi à tout le monde. Au revoir.